commencer. Allez, bonjour à tous. Vous pensez recording peut faire ce travail? Oui, il peut faire ce travail, recording. Ok. Bon, aujourd'hui, nous voulons passer l'examen un petit peu plus le. Comment on appelle ça? Nous voulons passer l'examen concernant translators. Correct? Mais avant, nous voulons passer l'examen concernant translators, une petite révision. Rapidement, parce que semaine dernière, nous faisons sa classe là. Aujourd'hui, nous parlons bien vite parce qu'il nous faut prendre papier d'examen. Correct? Translator, nous utilisons compiler, nous disons que nous prenons le source code, nous écrire le high level language, compiler, il compile, il vous produit object code. Mais c'est moi, il produit object code, il y a une série de process qui arrive. Arrive lexical analysis, syntax analysis, code generation, code optimization, et pendant le produit object code, c'est on appelle ça machine code, executable code. Correct? Vous en avez suivi, hein, ben, attendez là. Correct. Et un des termes qui sont bien connus, les translateurs de travail, c'est bien connu que les source code. Source code, c'est original code, ce qui est écrit dans le langage. Pareil comme là, il peut écrire un code dans le langage. Ça s'appelle source code. Source code, c'est original code, écrit dans le langage, etc. Object code, c'est result of translation. Et le result of translation, après, tu finis translate, tu as object code, tu as machine code, tu as binary code, etc. Maintenant, l'avantage d'un compiler, de tout connu. Compiler, tu connais, il translate le source code into object code at one go, si pas une arrière, il produit object code, etc. Désavantage compiler, tous les élèves connaissent, qui, bon, si une arrière, il pas produit object code, etc. Interpreter, il a certain avantage, lesquels il servit pour translate, pour modérer, pour debugging. Et interpreter, il a des avantages si, chaque fois qu'il te renie, tu dois translate. Et Assembler, c'est un autre translateur qui convertit Assembly Language to Machine Code. Ça, cela n'est des affaires. Veut dire, l'ETP travail, tu as Assembly Language, de type de ban code, le un éditeur, et là, programme là, tu save li, et là, un assembler, il translate li, il produit un executable code, machine code, s'il amène à RL, il peut reporter ça, et tu retype le code, là, tu redresses, tu refais le code, jusqu'à ce qu'il soit correct, tu produis object code et le caravane. Bon, tu sais les connais. Maintenant, rappelle bien, Assembly Language, ce ban commande, il y a opcode avec operand. Opcode, c'est machine. C'est operation to be conducted. Et operand, c'est on which the action is done. Et tous les deux, quand on convertit en machine code. Maintenant, voilà, nous avons stages of compilation. Pareil, nous avons le source code. C'est là qui est arrivé lexical analysis, syntax analysis, semantic analysis, intermediate code, code generation, code optimization et produit object code. Ça, c'est une étape. Voilà encore une photo qui explique ça pareil. Il explique qui va faire une compilation. Commencez par source code, lexical analyzer, produire des tokens. Des tokens, c'est un symbole qui représente ce reserve word. Là. Et là, lexical analyzer, il passe ça, il produit une semantic analysis. Il fait un intermediate code, il optimise un code là, il produit un machine code. Le machine code là, c'est un environnement. Bon, ça c'est un exemple que nous type nos source code. Ok, là d'un texte éditeur. Là nous save li, la compiler, translate li. Si fin aérea, tu veux rétyper. Si fin aérea, il link li avec ce bon library files et il produit object code. Et ça object code là, tu vas save, tu vas run combien de fois tu as envie, pas nécessaire de compiler. Bon, qui est arrivé dans l'exécutable stage? C'est un premier stage de compilation. C'est un premier stage de compilation. Qui est arrivé dans ce stage là? Bon, dans ce niveau-là, nous remove tout l'espace. Remove of space, tab, blank lines. Tout ça, nous ignore. Compiler pas prendre compte si on quitte l'espace dans le source code. So, remove of space, tab, blank lines, compiler pas prendre compte. Encore une affaire, compiler pas prendre compte. Dans le comments. Ok? Et une affaire qui est arrivée en cours de lexical analysis, il check validity des reserve words. Tu veux dire reserve words, keywords. Ben keywords, comme dans VB, tu servis ben keyword console de write line, console de read line, c'est ben keyword, nous check sur validity, est-ce qu'il est correct ou ça n'est pas correct. Asset tokenization operator, tout ça ben keyword, ça nous fait des token. Et quand nous save ça dans symbol table, t'as l'air nous voir que t'as un coup de papier d'examen symbol table, comment créer. Ok, nous avons keyword tables, après nous avons symbol table. Comment nous form ça symbol table là? Et validity of the symbol table. Nous voyons que si ben symbol table là, il est valide et ben variable, tout ça est ajouté dans sa symbol table. Et nous faisons simple error checking.
c'est pas un identifier valide ou invalide d'après rules of identifier. Et nous créons nos symbol table et nous accédons nos symbol table directly using the hashing algorithm. Bon, voilà un petit peu ça qui est arrivé dans l'exercice analysis. Il y a symbol table, vous avez connu qui veut dire symbol table et comment créer symbol table et qui garder dans le symbol table, ça ne peut pas guetter. C'est dans ça l'exemple là, ça ne peut pas guetter aujourd'hui pour faire l'examen le symbol table. Et là, si tu as notre source code, right, le code qui est écrit là en high level language, nous pouvons montrer toi comment tout simplement un mot qui est dans ce source code, nous pouvons translate li et nous pouvons, dans l'exercice analysis, nous pouvons former un keyword table, ok, que tout simplement un keyword là, il y en a un tokens, et nous pouvons servir ce tokens là dans le symbol table. C'est ce qui nous parle de l'étude du papier d'examen, ça part là qui nous parle. Comment nous pouvons prendre le source code, comment nous pouvons servir. Ok, nous prenons le source code et comment nous servir le keyword table et avec le keyword table, comment nous formons le symbol table. Ça, aujourd'hui, nous allons guetter dans le papier d'examen intimement. Ça fait 3 minutes en cours. Bon, identifier, c'est là que tu disais que qui veut dire identifier. Identifier est capable d'un variable name, est capable d'un program name, est capable d'un function name. Et tout le temps, il commence par un alphabet et il est capable de follow par alphabet underscore, soit digit. Ok? Et parfois, il y a un langage, il y a une restriction là-dedans sur longueur. Il y a un langage sur longueur, il y a 8 caractères, il y a 10 caractères, etc. Bon. Qui est arrivé dans l'autre étape? Bon, syntaxe analysis, nous finissons guetter. Après syntaxe analysis, nous avons une solution. Lexical analysis, nous finissons guetter. Mais après lexical analysis, nous avons syntaxe analysis. Et qui est arrivé dans syntaxe analysis? Syntaxe analysis, il concerne plus le grammar of the language. Grammatical et relégué. Par exemple, si une variable déclarée, tu n'es pas capable de servir une variable et tu n'es pas déclarée. Et tu n'es pas capable de servir une routines, routines comme disons de mathématiques, tu peux servir sine, cos, tan, mais tu n'es pas inclus sur la librairie. Là aussi, tu peux avoir un problème, tu peux inclure sur une librairie pour te pouvoir servir. Ok? Tu peux inclure sur une librairie. Ça, c'est syntaxe analysis. Mais aussi, nous avons besoin d'un construct. Qui veut dire un construct? Si tu mets if, then, else, tu avons besoin d'un if. Bon, on ne peut pas tout simplement l'idée là. C'est même dernier, on finit comme ça là. Et ben error checking, il peut être combien de brackets tu ouvres, autant de brackets tu fermes. Ça, tout ça là, arrivé dans la syntaxe analysis. Et la syntaxe analysis, comment on dit ça? Il check misspelling of reserve word, il get construct, il fait diagnostic error, il report ça. Bon, voilà tout ce qui est arrivé dans la syntaxe analysis. Bon, code generation, il produit un intermediate code, après final, il produit un machine code. Après, il faut optimiser ce code là. Il faut remove redundancy, ce qui n'est pas besoin de tirer, et il faut rewrite it in a shorter way pour être capable de run rapidement. Maintenant, tu faut connaître le linker. Linker, c'est un programme qui les combine, separately combine modules together, et tout simplement library routines les combine, et les match up the references between the modules. Loader, c'est un programme qui les prend depuis le hard disk file là et les load dans RAM et qui place pour load dans RAM, qui côté pour load dans RAM et si ça même redresse sur l'adresse, il vient réallocate sur l'adresse, ça fait pas loader. Bon, nous get linker, nous get loader, voilà un petit peu, nous finir à notre stand. Maintenant, question à l'examen, nous passons. Ok, semaine dernière, on discutait un peu sur le papier l'examen là, mais nous parlons rapidement là. Bon, ça, novembre 2016, papier 31. Ok, rapidement, novembre 2016, papier 31, vous connaissez la semaine dernière, nous faisons ça, une petite révision. Novembre 2016, papier 31, ok. Novembre 2016, papier 31, ok, une petite révision. Je vous pose des questions aux élèves, nous guettons si vous avez un cours rappel. Voilà, novembre 2016, papier 31, petite question ça. Voilà. Ok, sa question là. Bon. Each stage remove, this stage removes any comments in the program code. Bon, la qui étape nous tient ban comments, nous ignore ban comments, blank line, tab, tout ça là. C'est dans lexical analysis. This stage could be ignored. Optimization, ne pas trop causer parce que parfois nous optimise, parfois nous pas optimise. So this stage can be ignored. Quand on fait optimisation, quand on pas fait optimisation, le programme là pour marcher. Mais c'est moi si vous faites optimisation, le programme là pour rendre plus rapide. This stage checks the grammar of the sentence. Grammar c'est syntax analysis. Correct, c'est la syntax analysis qui nous check the grammar.
Alright, voilà. Look, this state produces token version of the program code. Ça arrive dans lexical analysis. C'est même qu'ils ont aussi, nous voulons des papiers d'examen dans lexical analysis et nous voulons des keyword table, nous voulons des symbol table, etc. C'est ça que nous voulons. Et si nous voulons le temps, nous voulons aussi un autre chapitre. Maintenant, nous prenons une autre question d'examen. Ok, ça correct. Nous retournons avec l'autre question. L'autre question, c'est novembre 2016, papier 30D. Ok, question D. Oui, novembre 2016, papier 30D. Mon enfant, oui. Un minute aux autres. Bien, hein. Bon, mais je peux discuter une bonne question, c'est la même là. Ça, c'est une fin de oubli. Ok, sa question là, je peux discuter. Novembre 2016, papier 30D. Correct, novembre 2016, papier 30D, il a faux statement. Allez, voilà, nous pouvons discuter de sa question là, là nous vous prenons qui vous êtes. Novembre 2016, papier 30D, question 2. D'accord, allez, il y a nous discute ça là. Hein? Novembre 2016, papier 30D. Question 2. Voilà. Maintenant, question 2. Correct? Allez. This stage can improve the time taken to execute the statement. Ça s'appelle optimization. C'est-à-dire optimization, nous allons improve le time. C'est-à-dire nous allons réduire le time pour exécuter. Pour run fast, fast. Correct là, tous les enfants bien écouter là. Maintenant, this state produces object code. C'est code generation produit object code. Et this stage makes use of the tree structure. Ça, c'est syntax analysis. This stage enters symbols into. So, je ne vous get ça plus. Hein? This stage enters the symbols into the symbol table. Arrivé dans lexical analysis. Et so, je dis, c'est ça qui nous parle de plus. À cause de ça, on fait tout ça, les tout là, pour expliquer ça. Nous parlons de lexical analysis, je dis en détail, quand nous pouvons guider comment créer ce symbol table là, et comment il servir keyword table. Keyword table avec symbol table, nous parlons de comment créer. Ok? Voilà, nous continuons. Maintenant, nous prenons une autre question. Si vous êtes correct avec ça, là, ça nous va guider. Novembre 2015, papier 31. Ok, voilà. Novembre 2015, papier 31. Alors, guide ça, écoute. Novembre 2015, papier 31. Novembre 2015, papier 31. Voilà, question 2. Voilà, allez. On guide ça. Ok, novembre 2015, papier 31. Qui est de nous? L'ingénieur compiler uses keyword table. Keyword table infini de nous. Veut dire tout bande keyword qui dans langage là servi, infini de nous sur bande token. Correct, ça ligne de nous. So, a compiler uses a keyword table et symbol table. Il y a deux tables qui nous permettent de keyword table avec symbol table. Et part of the keyword table is shown. Une partie keyword table ligne de nous. Et ben keyword là token se range comme il est 00 à 5F. Ça veut dire ça symbole là enfant, ça keyword là, ça se token 01. Ça symbole là, ça se token. Ça symbole là, ça se token. Ça veut dire nous pour servir cette table là comment appeler keyword table. Nous pour servir ça table là keyword table pour faire nos symbol table. OK. These entries in the symbol table are allocated tokens. Veut dire, dans nous, symbol table, nous pouvons prendre ce token, ça nous mettre là-bas, d'après nos codes. Bon, la ligne de nous, l'ingénieur nous a fait important. À qui valeur hexadécimal nous commence nos symbol table? Nous commence valeur 60. Mais c'est moi 60, il y a hexadécimal, hein? Nous pouvons start values from 60 hexadécimal. Allez, right. Bon, nous reprenons. Ça, nous keyword table, ça veut dire, tout bon keyword qui nous servit, l'une de nous, c'est une valeur en hexadécimal, l'ingardie comme token.
Deuxième affaire qui nous dit à nous, code pour commencer. Code valait 60 hexadécimales. Troisième qui nous dit nous, source code. Maintenant, nous prenons sa source code là, nous faisons référence avec le symbole keyword table, nous pour former le symbole table. Allez, maintenant, nous commençons. Voilà, ça nous symbole table, ces enfants. Allez, pareil. Une partie qui est déjà finie de nous. Et nous montrons comment construire. Allez, si vous êtes capable d'un bout de papier, d'un cahier ou un papier, écrit à sa table. Soit si vous êtes dans une bouclette, ouvrez. Bon, cette table-là, il peut donner des symboles, il peut donner des valeurs, donc on a ce valeur et ce type. Correct? Allez, nous allons, comment nous commençons le travail? Première affaire, nous allons get nos source code. Deuxième affaire, nous pour remplir cette table-là. Troisième affaire, nous pour faire référence avec keyword table. Correct? Nous faire référence avec keyword table. Correct? Allez, nous continuons. On peut réduire là, hein? Nous continuons. Maintenant, continuez. Nous avons le source code. Dans le source code, premier élément qui est là, counter. Correct? Premier élément, c'est counter. Hein? Premier élément, c'est counter. Vous entendez? Allô? Allô? Là, vous entendez? C'est une lentin. Sur l'antenne, à cause. Il va causer là, il est bon là. Vous êtes connecté avec moi là, vous êtes attendu, vous pensez de me déconnecter. Allez, ouais, il est déconnecté pendant 2 minutes, mais correct, on pas de connexion. Allez, nous continuons. Bon, on reprend l'île, hein, pour aller qui une PSD, un petit. Bon, qui est important là-dedans, nous avons sa question là. Sa keyword table là, c'est tout bon keyword, ce symbole, avec ce bon référence en hexadécimal de 1. Ça nous référence table, nous vous servir. Deuxième, ça nous question qui est bout de nous. Un source code qui bout de nous. Tout bon affaire qui est dans sa code là, du coup, rotso équivalent dans sa keyword table là. Et là, là, nous construire nos symboles table. Allez, nous commençons. Travail là commence. Mais rappelez bien, l'India, nous start. Nous commençons avec 60 hexas. Allez, premier mot, counter. Est-ce que counter, il y a un reservoir, il y a un keyword? Si counter, il y a un keyword, nous pouvons gagner un lit dans sa table. Mais à cause counter, il n'y a pas un reservoir. Nous ne pouvons pas gagner un lit dans sa table, dans le keyword table, pénali. Parce qu'il n'y a pas un reservoir. Mais là, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prendre counter. Mettez-le dans le symbole table et nous donnez valeur 60 parce que nous commençons avec une mémoire 60. Et counter qui était? Il y a une variable. Correct, les enfants? Allez, nous continuons. Tout le temps, nous réveillons notre source code. Get ce symbole là. Ce symbole là, est-ce qu'il nous déjà inali dans le keyword table? Oui. Mais nous pas nécessaire mettre-le dans le symbole table. Parce qu'il déjà inali. Get ce arrow là. Arrow là qui se valait. Allez là, arrow là se valait. Les 0n veut dire nous pas nécessaire ajouter là. Ok, nous pas nécessaire ajouter là. Parce que déjà il y a dans keyword table. Si déjà il y a dans keyword table, nous pas mettre dans symbol table là. Correct? Allez, nous continuons. Counter nous finit, arrow nous finit. N.5, est-ce qu'il y a dans nos keyword table? Non. Si P y a dans keyword table, nous pas connaissons hexadecimal value. Là nous besoin ajouter dans nos symbol table N.5. Et si tu es là, tu es 60. C'est là pour prendre l'espace 61 après lui. Ok? Et après lui, 61 lui vient là. C'est-à-dire N.5 qui valait 61. C'est moi N.5 qui était. Il y a une constante, il n'y a pas une variable. Une variable, c'est quelque chose qui se valait 100. Nous retournons avec notre table, nos source code qui nous donne. Counter, il y a une variable, nous finissons mettre dans le symbol table parce qu'il paye dans le keyword table. Arrow là, nous ne pas mettre dans le symbol table. Qui fait? Parce qu'il est déjà dans le keyword table à roule là. Après N.5, il y a une constante pénalité dans keyword table. Ne pas besoin de pénalité dans keyword table. Ne besoin de mettre dans symbol table N.5 et 61 et il y a une constante. Maintenant nous continuons. Input. Est-ce qu'input moi le mettre dans symbol table? Non.
qui fait qu'on ne peut pas mettre input dans symbol table. Parce qu'il input déjà trouvé dans reference table, keyword table. Voilà, input qui là. Et sur valeur 51. Je veux dire, on ne pas nécessaire créer li, on pas mettre li dans mémoire parce qu'il déjà un li dans keyword table. Correct, on ne pas mettre li là. Allez, après input qui vient. Number one. Est-ce que number one m'a déjà un li dans mon keyword table? Non, number one m'a payé là. Je veux dire, on peut ajouter number one là et il peut gagner valeur 60 et il peut être constant. Voilà la réponse, nous supposons gagner ça. Et nous avons une réponse un peu de qui l'année ça. Voilà, nous avons cette année là. C'est novembre 2015. Voilà, papier 31, je pense. Voilà, il là. Et là, si je te l'ai, je fais screenshot ça bout là. Voilà. On met le dans mon notes. Là, vous êtes gagné. Voilà, nous répondons. Ce qui n'est pas payé, il comprend les diamants. Voilà, number one, nous mettons là et nous donne ce valeur 70. Maintenant, je retourne avec mon question. Ça commence. Correct? Ça commence là. Ok? Nous ne pouvons pas ajouter dans le symbole table parce qu'il y a une commence. Nous pouvons ignorer le compiler. Correct? Commence là, nous ne pouvons pas ajouter. If. If, je déjà in ali. Dans mon keyword table, je ne pas ajouter dans le symbol table. Correct? Je ne pas ajouter dans le symbol table. If la pas venu. Maintenant, counter, je ne pas ajouter dans le symbol table parce qu'il est déjà là. Il est déjà là, je ne pas ajouter encore en bas. Correct? Allez, nous continuons. Equal to. Equal to, je ne pas ajouter parce qu'il equal to déjà trouve dans mon keyword table. Nous continuons. Number one. Je ne vais pas ajouter là-dedans parce que déjà je finis à ajouter là. Number one, je déjà ajouté. Je ne vais pas réajouter en bas. Correct. Nous continuons. Then. Je ne vais pas ajouter dans le symbol table parce que Zen déjà trouve dans le keyword table. Maintenant, je continue. Number one. Je ne vais pas ajouter dans le symbol table parce que je finis à ajouter. Arrow. Je ne vais pas ajouter parce que je déjà un ali dans le keyword table. Ré encore number one. Je ne vais pas ajouter. Je déjà un ali. Plus. Je déjà un ali là. Je ne vais pas ajouter. Mais 5.0, moi ajouté, parce que 5.0, pas trouvé dans le keyword table. Avec 5.0, l'IP, Nali, je pas déjà ajouté. Parce que moi ajouté 5.0 là, et dans la mémoire, quand l'IP était, du coup, après 60, 61, 62, 63, je mets 5.0, il y a une constante. Correct? Maintenant, nous continuons le travail là. Nous arrivons 5.0, NIF. NIF, je ne vais pas ajouter dans le symbol table. Qui fait que je ne vais pas ajouter dans le symbol table? Parce que NIF trouve dans le keyword table. Là. NIF. Bon, résumé. Pour vous dire qui ne pas trop comprendre, nous reprenons. Je veux dire, qui partie, là, c'est la bosse que nous peut causer ici. C'est la lexical analysis. Lexical analysis est une place creation of the symbol table. Je ne fais ça. Si je n'oublie, je suis capable de montrer dans une note, c'était là, je te prends. Par contre, si je finis close, je comment finis close. Mais dans lexical analysis, nous cause creation of the symbol table. Je pense que je rappelle. Allez, nous allons dans la question là direct. Qui l'indique de toi dans l'examen? L'indique de toi keyword table. Ça veut dire un keyword table quand l'indique de toi tout le tokens. Il y a un reference range. Il y a un hexadécimal. Il y a 0 à 5F. Bon, tout ça va un keyword, ça va un reserve word. Ça. Il finit mettre dans sa table là. Sa table là, comment appeler keyword token, keyword. Keyword table et il met tout ce token équivalent. Pour ce symbole là, ça se une valeur équivalent. Et qui lui donne toi dans l'examen? Il donne un piece of code, le source code. Il lui dit t'as qui l'adresse pour commencer 60. Et nous continuons. Ok. Maintenant, je tue une fille remarquée. Nous reprenons les questions d'examen. Il donne un keyword table. Keyword table là, veut dire qu'il y a tout un keyword sur un token. Sur range de 0 à 5F. Tout un keyword qui servit dans la langage là, ça sur un token. Et il donne toi un source code. Tu besoin de prendre sa source code là. Avec sa keyword table là, tu besoin de fabriquer ton symbol table.
et chaque un word là-dedans devient convertible. Et les états commencent de 60. Bon, ça, moi, je finis d'expliquer, on va voir qu'il y a un problème là-dedans. Mais, plus ou moins, référé, counter n'est pas existé dans ton keyword table, à cause de ça, tu prends counter de mettre là dans ton symbol table. Et tu commences contre l'adresse 60 ici à toi, et il y a une variable, et tu continues. Et après counter, qui tu es dans ça arrow là. Mais qui fait de ne pas mettre arrow là dans ton symbol table, parce que arrow là déjà existé dans ton keyword table. Et là, tu continues 1.5, tu ajoutes dans ton symbol table, mais c'est moi que tu commences contre 60, tu peux venir 61 après les points constants. Bon, là, tu finis input. Qui fait de ne pas mettre input dans ton symbol table, parce que input déjà existé dans ton keyword table, qui est là. Correct? Et là, tu continues number 1, tu mets dans ton symbol table, parce que number 1 peut exister dans ton keyword table. Il faut prendre l'adresse 70, et il y a une variable. Et comme ça, les restes, vous trouvez ça un comment ça, mais tu ignores. If, qui fait pas mettre dans le symbol table, parce qu'il est déjà existé dans le keyword table. Et là, tu contiens 40, tu déjà mettre, tu pas remettre, equal to déjà là-haut, etc. Bon, je finis faire rapport ici-là. Voilà, ça, c'est réponse. C'est un problème de cardiaque, mais il est facile. Maintenant, là, là, ce qui est intéressant, nous reprenons, nous disons, each cell, chaque cell below, represent one byte of output from the lexical analysis stage. Ok? Chaque cell, il représente one byte. One byte veut dire 8 bits. Ok? 8 bits veut dire 2 hexadecimal number. One byte, ça, one byte veut dire 8 bits. 8 bits veut dire 2 fois 4. Qui fait déjà 2 fois 4 parce que 4 là, il un hexadecimal code, un autre hexadecimal code. Et des hexadecimal number, il le sac en cell. Ok. Using the keyword table and your answer from pod A complete sa output là. Veut dire, tu bise servi sa keyword table là, ça c'est keyword table, et tu bise servi sa symbol table qui te fabriqué là, ça te là de servi pour représenter ton output là, dans lexical analysis. Allez, nous commençons. Comment nous faire ça? Bon, nous regardons nos source code. Premier, c'est counter. Counter qui se valait, les enfants. Nous regardons un coup. Counter se valait dans le symbole table, nous gagnons 60. À cause de ça, il met 60 là. Correct? Right. Alors, deuxième, après counter qui te est là? Arrow. Arrow, tu n'as pas pour gagner dans le symbole table. Correct? Tu n'as pas pour gagner là. Quand tu gagnes, tu as gagné dans le keyword table. Arrow représente 0n. Voilà. À cause de ça, là, l'invine 0n. Maintenant, next, qui vous mettez ici? Là. Correct? Là, je vous dis moi qui vous mettez. Allez. Après ça, là, nous venons dans le source code, li n.5. Mais n.5, li 60, 61. Vous avez là? 61. Mais dire là, si vous avez 60, 61. Maintenant, quelle réponse de n'importe quel bridge? Ok. Voilà. Vous copiez li, moi vous lis la commande. Ok. 6-0, N0 avec 6N. On arrive là. Correct là devant? 6N. Maintenant, nous continuons le travail. Ok, nous continuons le travail. On espère que je vais comprendre. Et là, on arrive ici. Ça, on finit. Input. Input, c'est quoi? Tu as gagné dans le keyword table. Input, c'est 51, 5N. Et là, nous venons là, nous gagnons 5N. Vous trouvez la 5N. Correct? Après ça, nous continuons comme ça. Nous gagnons tout ce que nous arrivons. Number 1. Number 1, tu n'as pas gagné dans le keyword table. Tu as gagné dans le symbol table. Number 1 est 70. Et réponse, il vous vient 6D. Ok? Et il continue comme ça. Pour fabriquer les voir. Et comment est-ce que tu vas vous prendre if? If, il vous 4A. Ok, 4A. Vous trouvez là. Après, il continue comme ça. Vous pensez tous les cas remplis. Counter. Counter se va aller 6-0. Voilà, 6-0. Correct? Après ça, il continue. Après, counter.
li vin equal to. Equal to te deja yon a li la li 0,3. Ok, bon, pense on a trop vite là non? Equal to 0,3. Et là te vini te remplis ça comme 0,3. Correct? Bon, on pense là je te ka rempli ça. On va croire qu'il y a un problème pour remplir ça. Mais comment dire toi, te servi de keyword table avec le symbole table qui te fait la porte et te prends pour remplir ça sur tout ban hexadecimal values. Ça te fait la ban hexadecimal values. Ça s'accèle de 1 byte, veut dire 4 bits pour un hexadecimal digit, l'autre 4 bits pour deuxième hexadecimal digit. On pense que tous les cas remplis ça, je n'ai pas aucun problème là-dedans. Maintenant, on va get this line of code. Ok, l'autre question. This line of code is to be compiled. Correct. This line of code. And A is assigned A plus A is assigned B plus C plus D. After the syntax analysis stage, the compiler generates the object code. The equivalent code in the assembly language is shown. Correct. Name the final stage of compilation process that follows this code generation stage. Allez, qui est arrivé après the compilation stage, après le fini faire code generation? Après code generation, qui est arrivé, les enfants? Après code generation, qui est arrivé? C'est code optimization. D'accord? Après code generation, fini fabrique object code. Et là, il optimise. Optimise veut dire il rewrite it in a shorter way ou bien les reduce les soit les remove ban irrelevant things. Et bien après code generation, nous avons code optimization. Je te rappelle dans notre note, c'était là, moi tu discutes ça. Tiens, allez. Maintenant, l'autre question, rewrite sa code là. Sa code là, tu es capable de réécrire. Je vous ai compris avant qu'il puisse arriver là-dedans. Comment tu es capable de réécrire d'une façon que tu peux diminuer sur la ligne des codes. Et il peut faire une petit et il a fait une petit, il peut rendre plus facile. Bon, ça c'est un assembly language code. Code libre load B, ça va aller là. Load value, il prend ça va aller là. Load value B. Et il peut load ça dans B et là il peut add ça load value là. Ok, add value C. Ok, load the value B, il veut dire il peut prendre 243. Il peut ajouter 235 et il peut garder ça dans la mémoire. Qui côté il peut garder ça? Il peut garder ça dans la mémoire et l'espace appelle 567. Après, il est là qui il peut faire. Temporaire, il garde ça dans 557. Après, il load the value from the temporary location. 557, il met l'ida accumulateur. Après, il peut add the value D là-dedans. Ok? Add the value D là-dedans. Value dit là c'est combien? 236. Je veux dire 236 il peut ajouter avec 500 avec sa résultat qui est là, là. Une minute là. Bon, là, vite là, tu prends 243, tu ajoutes avec 235. Comment il fait ça? 243 puis ajoute 235. 234 ajoute avec 235. Comment il fait ça? 469. On y prend 469, il me garde dans mémoire qui coûte. Dans mémoire coûte 567. Après, il prend ça d'affaire qui dans mémoire coûte 567 là, il met l'accumulateur et il y ajoute 236 là-dedans. Après, il peut save résultat là dans mémoire l'espace 233. Bon, il y a un peu, il fait ça avec une longue, plus courte, plus simple. Comment nous tu peux réécrire ça d'une autre façon? Une autre façon, nous tu prends valeur 234, moi ajoute valeur 235 en lit, et moi ajoute valeur 236 en lit. Et là, là, un seul coup de mal garde lit dans mémoire de place 233. Lit, il prend ça, il ajoute avec ça, il a le gardien en place, après il retire lit, après il réajoute ça, après il remet là, mais il peut faire les tout. Mais dire ça, c'est une façon directe, l'écoute. Pour gagner une réponse là, bon, vous réexpliquez pour les élèves qui ne pas trop comprendre qui n'arrive. Mais dis aux enfants. Ok, moi, c'est réexplique ça, assembly code là, pour les enfants qui ne pas comprendre. Bon, ça, c'est assembly code. Si vous encore rappelez ou assembly code, il prend 234,
li met ça dans accumulateur et dire fait m'a un poids long là ou prend 234 ou met dans poids long. Après qui vous fait ou ajoute 235 dans poids long. Mais le total combien gagne dans poids long? 234 plus 235 combien il fait? Il fait 469. Et il prend sa 469 là, il met dans un autre plat séparé. Après qu'il fait, il reprend ce qui dans sa place séparée là, il remet dans ce poêlon. Après, il réajoute 236 là-dedans. Après, il retire l'hyprose dans le plat là. Mais il n'y a pas de perdre le temps. Moi, de te place, moi, tu prends 234, moi, tu mets dans le poêlon. Moi, tu prends 235, moi, tu mets dans le poêlon. Moi, tu prends 236, moi, tu mets dans le poêlon. Après, moi, tu prends ça, le résultat là, moi, tu gardes dans un plat qui appelle 233. Voilà, c'est même qui l'a dit, toi. Il y a une façon plus facile pour faire lui. Bon, je te donne l'exemple. Fais comment dire, les becs où il mine. Il prend un légume, il met un autre légume là-dedans, il tire dans un autre plat. Là, il prend mine, il met, là, il reprend le légume, il met là-dedans. Bon, moi, si je veux couiller, moi, je prends le premier légume, je mets le deuxième légume, je mets mon mine, je vire lui, je gagne une réponse, je pose dans mon plat. Il est plus court. Je veux dire, sa série code-là, tire le résultat là, garde séparé, réamène lui, remette, il perd le temps. Je veux dire, je veux optimiser lui d'une façon plus correct plus vite le type de travail, c'est ça le code là. J'espère que vous comprenez le code là que je peux faire. Maintenant, state the benefits of compilation process performing at this stage. Bon, quel avantage mon gagné l'air d'emplacement écrire ça long code là pour faire ce calcul là et moi écrire lui plus court comme ça la tigine la ligne. Bon, là, si tu imagines, comment dire, si tu prends carotte, tu prends lissou et tu prends mine, tu peux faire un mine frire. B, lui qui vient faire, il prend carotte avec mine, il frie, il tient dans le plat, là il met mine, là il reprend carotte, il met là-dedans. Ben, moi, tu peux prendre tous les trois, moi tu mets un derrière l'autre dans le poêlon, tu mets carotte, lissou et mine, via lui, fini gagne répondre. Mais l'avantage de mon ferry comme ça, il est plus rapide. Mais qui bénéfice de mon ferry comme ça? Les enfants, l'avantage que mon gagne ferry comme ça, voilà, il dit à toi, moins code. Je veux dire, moins plat, moins sale, okay? Moins code, fewer code, et moins l'espace de mémoire, mon minimise mon exécution, et exécution, il fait plus rapide, mon fait mine là plus rapide. Bon, ça, une autre affaire, c'est pas mine là, mine plus bon, pas mine plus bon sur le goût, ça, l'autre affaire, ne vous discutez. Mais mon fait plus rapide, parce que mon prend mine, mon prend, non, comment appeler, mon prend, comment appeler ça, fait la carotte. Je prends l'issou, je le mélange, je mets mine, je le mélange, je prends un petit à part, remettre tout ça là. Je vais plus vite, je le fais rapidement et moins le temps, je finis avec la mine. Ok? Ça, l'autre du monde qui fait carotte avec l'issou, il tire dans le plat, il remettre dans ce plat, remettre mine, il perd le temps. Mais côté goût, nous ne pouvons pas discuter. Mais là, le côté rapidité, veut dire qu'il y a un bénéfice si nous optimisons nos codes, il peut exécuter rapidement, il peut servir moins l'espace de la mémoire et voilà, il est plus rapide. Maintenant, ouais, mon corps nous finit avec sa question. Maintenant, nous prenons une autre question. Ok, une autre question. Rapidement, novembre 2015, papier 30D. Correct, question 2. Voilà, nous avons ça. Voilà. Bon, ici aussi pareil, ce type question-là, ici aussi pareil. J'espérais. Je peux écouter moi. Ok. Rapidement. Voilà. Il donne toi. Qui donne toi? Allez, suive. Qui donne toi? To keyword table. C'est un to reference table. To keyword. Tout bon symbole qui servit de ton langage. Et ça, bon symbole là, ce bon tokens. Quels sont bon tokens? Et la keyword table, il finit donne toi dans l'examen. Et qui donne toi? Source code là, il finit donne toi. Et troisième affaire, il dit ta code pour commencer. Qui l'adresse pour commencer? Value starts from 16 in the dark hexadecimal. Rappelle bien, ça lit en hexadécimal quand tu as commencé en hexadécimal. Et tu source code d'une de toi. Maintenant, d'après cette petite question, il vous demande. Il vous demande de créer sa symbol table là. Voilà, question qu'il vous demande toi, créer ton symbol table. Bon, il n'est pas difficile pour créer symbol table, mais avant de faire ça, nous avons un petit signe capable de finir ouvrir le papier d'examen là. Qui l'a ça? Novembre 2015, papier 30D. Bon, novembre 2015, papier 30D. Ok, papier 30D, question. Voilà. Ok, nous copions ici là-bas.
on va tirer à l'état avant. Ok, là mon problème c'est les participer et je dis à moi comment vous créez ça. Alright? Allez, ça se réponse, mais c'est bon, nous voyons le travail. Allez, première affaire, nous prenons le source code. Premier mot, start. Bon, start, qui était ça? Il y a une variable. Et à cause de start, il y a une variable. Il n'y a pas pour trouver dans le keyword table. Parce que dans le keyword table, nous prenons tout le monde keywords qui l'engage à ciel. Mais start, il n'y a pas dans le keyword table. Je veux dire, mon besoin ajouter dans mon symbol table. Voilà. Il met start dans le symbol table. Mais qui va l'aider si j'ai nous commencer? Il dit 60. Et start, qui était ça? Une variable. Correct? Allez, nous continuons. Arrow. Ça arrow là. Nous pas nécessaire mettre dans le symbol table. Qui fait? Parce qu'il déjà existait dans le keyword table. Et ça se token ça. Je veux dire, arrow là, nous pas pour mettre là-dedans. Mais après arrow là, qui nous gagne? 0.n. Et 0.n, il n'est pas trouvé dans le keyword table. Il est bien ajouté dans le symbol table. Et il peut venir dans l'autre adresse, l'autre valeur. 60, il peut venir 61. Et 0.n, il y a une constant. Allez, nous continuons. Ça, il y a une comments. Je veux dire, tu ne pas prendre en compte. Ignore, compiler, pas trouver comments. Faux, c'est ça faux là. Faux là, il existait dans ton keyword table. Mais tu n'as pas pour ajouter dans ton symbol table. Tu n'as pas pour ajouter dans ton symbol table. Faux, tu n'as pas ajouté. Maintenant, tu continues. Counter. Counter, il n'est pas pour trouver dans ton keyword table. Le counter, il y a une variable. Tu peux ajouter counter là. Mais ce valeur, il y a 70 et il y a une variable. Continue pareil. Arrow. Tu n'as pas pour mettre dans ton symbol table. Qui fait mettre arrow dans ton symbol table? Parce qu'il déjà existait dans ton keyword table. L'autre, start. Start pour mettre dans ton symbole. Non, attendez, start. Non, non, sorry. Start déjà trouvé dans. Ah, start nous déjà mettre, sorry. Ouais. Nous déjà mettre. Ok, sorry. Start nous déjà fini mettre là-haut. Oui, nous fini mettre. Je veux dire, nous pas besoin de mettre. Ok? Bon, sorry. Allez, tout, ne pas besoin de mettre parce qu'il y trouve dans le keyword table. Tout. Correct? Allez là, on trouve là. L'autre, 10, besoin de mettre. À cause de ça, il met 10 là. Ok? 10, là, il y a l'adresse 63, alien constant. Bon, tout à l'heure, il finit comprendre comment créer sa symbol table. Maintenant, comment faire output là? Output là, tu as un par un. Je veux dire, tu reviens dans ton source code. Tu get tout ban ce qui est là, tout ban mot qui est là. Soit il vous trouve dans keyword table, soit il vous trouve dans symbol table. Tu service à dire là et te demande son output là. Allez, nous commençons. ND, nous allons faire tout. Start, quand tu trouves. Start, trouve dans symbol table qui se valait 60. À cause de ça, tu mets 60 là. Deuxième, qui te là, arrow. Arrow trouve dans keyword table là qui se valait 0n. Bon, tu mets 0n là. Voilà. Maintenant, de continuer. Bon, là, nous prenons réponse. On a envoyé d'abord. Correct, nous prenons réponse. On a envoyé d'abord. Voilà. Et nous continuons là. Quand on est arrivé là, 69. Ouais, 0.n. 0.n qui pour 61. À cause de ça, là, il faut mettre 61 là. Voilà, 61. Et là, il continue l'autre la ligne. Ça, il peut ignorer, parce qu'il y a un comment, ça déborde là avec un comment. Faux. Faux, il y a 4 U. Voilà, il peut gagner sur 4 U là. Ah, il y a 4 U. Correct? Bon, vous pensez les réseaux de cas à continuer, si vous ne gagnez pas comprendre le cas de demandement. Et counter. Counter, il peut être une variable. Voilà, counter pour gagner une valeur 70. Et là, il peut ajouter 70 là. Correct? Bon, ça, le cas à continuer, bon, par quoi, je peux avoir un problème pour faire ça. Correct, le carré ali, si j'ai un problème, je dis. Maintenant, the compilation process has a number of stages. The output of the lexical stage forms an input in the next stage. Bon, qui ça next stage là ça? Après comme lexical analysis, qui analysis tu gagnes? Syntax analysis. Ok, ça moi tu fais à là, va dire qu'il y a un retard, pas de suivi, là ça moi carré non rien pour vous. Après lexical analysis, tu gagnes syntax analysis. On va espérer que je te connais parce qu'il nous a causé de cela. Ok, nous ne finissons pas de cela. Maintenant, on retourne avec l'autre question. State two tasks that occurs during syntax analysis. Bon, si je te lis, nous ne pas réel dans sa note là. Si je te lis, sa note qui m'a causé là. Voilà. Nous ne pas refresh de rien.
voilà, voilà. Diafo, pas attendez. Ah, il a. Mon pensée. Ouais. Ouais, mon pensée, very cool. Bon, là, nous retournons avec sa nuts là pour vous aller comprendre. Voilà, je te rappelle un petit peu les stages. Et la plupart du temps, nous avons le lexical analysis ici. Parce que après le lexical analysis, il dit à toi qui stage était. Voilà, là, nous avons fini faire le lexical analysis. Voilà. Après lexical analysis, tu as syntax analysis. Et qui est arrivé dans lexical analysis, c'est là où tu peux beaucoup le là, le van table. Ok, nous là. Après lexical analysis, tu as syntax analysis. Ok, et dans lexical analysis, nous peux tout ça là, tu es arrivé. Et surtout, symbol table, randomly access, cela tu peux causer. Symbol table, keyword table, create. Dans le banque question là, là, nous tu étais. Correct. Maintenant, nous rentrons dans l'étape syntax analysis. Qui est arrivé dans syntax analysis? Voilà, check the grammar, etc. Tout ça va en étape là, arrivé dans syntax analysis. Et là, nous avons d'autres questions l'examen. Voilà, il peut dire à toi comme ça. Qui est arrivé après lexical analysis? Qui est arrivé après l'examen? C'est syntaxe. Mais qui détaille des syntaxes? Qui est arrivé? Qui va des affaires qui est arrivé dans syntax analysis? Ça, nous avons d'autres. Voilà, la syntax analysis. C'est ça qui arrive. Check the grammar. Ok. Ça, c'est Cambridge Sonnets. Ce réponse. Check the grammar. Produce error. Construct the tree. Parse tree. Get the construct. Voilà. Sinon, si tu parles de ça, tu es capable de get une autre réponse qui m'ont donné. Ici. Tout ça là, arrivé le syntax analysis. Check the grammar. Check it to one variable qui peut servir une déclarée. Et check it to one library in link. Check the construct, tu veux juste construct. Si tu mets if, then, tu as un if. Si tu as if, for loop, en bas, il y a next i. Et le diagnostic, ben, erreur, le report, ben, errors. Et tu ben, reserve word in spell correctly. Et si tu ouvres autant bracket, est-ce qu'il te ferme, ça commence tes brackets là. Tout ça là, arrivé dans syntax analysis, d'après mon notes de GT. Voilà, mais là, ligne de toi, une des réponses. Checking the grammar, checking the construct. Et report errors. Mais il a encore réponse qu'on m'a donné là-bas. Bon. The final stage of compilation is optimization. There are a number of reasons of performing optimization. One reason is to produce the code that minimizes the amount of memory use. Other reasons of optimization. Qui fait un optimize? Ok. Un optimize pour les run faster. Ok. Il servit moins de mémoire, mais après il exécute rapidement. Ok, à cause ça, nous optimise quelque chose, pour moins les temps. La tigine, les temps, nous capable minimise the time of execution and code run faster. Ok, what could a compiler do to optimize the following expression? Un compiler, qui est capable de faire pour optimiser sa bande code là? Il rewrite it in another way. Il réécrit d'une façon qui est comme si il pouvait faire moins de calcul. Peut dire, voilà, nous avons un code qui dit à nous. Il dit à nous, the plus turn prend. Ok. Compiler would calculate 2 fois 6 and then replace it with a value of 12. Il est capable de faire ça, il remplace, il fait calculation là, plus vite et plus rapide. Ok. Bon. Ctrl X, mettez là. Il dit à nous, rewrite it in another way, so that il est capable d'exécuter rapidement. Bon, là dans l'examen, il donne une série de codes. Et ce même code là, il est associé avec assembly language. Bon, l'autre qui veut dire, prends sa valeur là, mets dans accumulator. Bon, accumulator c'est comme dire ton poids long, ok? Veut dire ton dans ton poids long qui te met, tu mets valeur 436. Après, tu mets valeur 437 avec lui ajouté. Veut dire dans poids long, tu mets ça des valeurs là, tu fais ajouter un ajout. Veut dire 436 plus 437. Total dans le poids long, tu es dans le temps. Maintenant, histoire qui veut dire, ça total qui gagne dans le poids long, là, tu es limite dans l'autre plat. Et ça plat là, comment il appelle? Il appelle 612. Bon, là, il peut garder dans une plat séparé. Mais là, qu'il fait? Il ajoute valeur 436 dans le poids long en cours. Après, il ajoute 437 dans le poids long en cours. Et il fait ce total. Et il ajoute. D'un poids long, encore un coup de 438. Ça, trois chiffres là, les ajoutés.
Il garde sa réponse dans un plan qui appelle 613. Bon, il est très bien, il peut faire ce calcul là. Il y a A plus B. Il peut ajouter, il peut garder dans un plan. Après, il refait A plus B. Et il ajoute C. Il peut garder dans l'autre plan. Il y a des plans. Et ça déplace là, un appel X, un appel Y. Ici, dans le code là, X là c'est 612 et Y là c'est 613. Veut dire, A là, ce valeur est 436, il ajoute avec 437. Ça dévalue là, ce résultat, il garde 6 dans l'espace 612. Et celle-là qui vient faire A, ce valeur est 436, il ajoute B là-dedans, c'est 437, il ajoute C là-dedans, 438. Et ce résultat, ça, trois chiffres-là, il peut garder ça dans Y et Y, ce valeur, il est dans mémoire, dans l'espace appelé 613. Veut dire, il fait ça décalquer là avec Assembly Language. Ok? Et question qui lui dit, réécrire ce code là d'une façon qui est plus courte. Il peut refaire le travail là, mais plus courte. Ok? Mais moi, je pense ici, l'infini a un calcul là ici. Les lignes gardent sa réponse. Il n'est pas suffisant de reprendre A et B à réajouter. Puisqu'il apprend sa réponse X là, puisqu'il a servi ici. Et là, quand il a dit pour partir de l'initiative, réajoute A avec B. Puisqu'il apprend sa X là, mettre là, il ajoute C en ligne pour gagner Y plus rapidement. Ok? Et j'ai perdu le temps. Maintenant, calcul plus rapide, voilà, analyse sa code là. L'examen, on a une question comme ça. Et analyse. C'est une façon pour réajouter plus rapide. Bon, il prend 436 limites d'apport. Il ajoute 437 en lui. Et il garde le résultat là dans un plat qui appelle 612. Bien bon, 612 c'est un X, il garde là-bas. Après, il prend valeur 438, il réajoute d'apport là. Mais d'apport là, tu désignes un résultat là. Il ajoute, c'est-à-dire tu as A plus B, déjà d'apport là. Il ajoute C là-dedans. Il gagne sa réponse là. Et il prend l'unité d'un autre poilon et sa poilon l'appelle 613 et ce valeur Y. Veut dire, c'est le même travail qu'un autre monde, il fait prendre tout ça la ligne là pour écrire. Une autre personne, il écrit, il a tiqué la ligne, mais il peut gagner la même réponse. Veut dire, dans ce déplat, il peut gagner ce dévaler qui nous mettait. Et il y a une rewrite de code. Voilà. Bon, ça code là, mon pensée, tu faisais en bas. Là, ça me voilà, ça me copie sur l'outil. Bon, pas grave, on continue là. On arrive là. Bon, il y a un dernier papier, nous vous guettez là. Là, nous vous arrêter. Ok, il vous ressemble un petit peu ce qu'il nous fait. Hein. Bon, juin 2019, papier 31. Ok, similar questions. Bon, tous les élèves finissent comment s'habituer à lui. Ça, c'est un keyword table, côté de notre tout le monde keyword, sur un token, commencer 00 à 5F dans hexadécimal. Bon, ça, correct, il n'y a aucun problème. Deuxième, il y a un code, bien content, ça, c'est source code, piece of code, pseudo-code, il y a un code. Il y a un code qui commence par l'adresse 60, bon, il y a le droit de dire 60 dans hexadécimal. Après ça, il y a un code de symbole table qui devait être rempli. Et trois points pour remplir ça. Bon, il n'est pas difficile pour remplir. Si tu as bien toi, tu as sous le code, il y a un counter. Counter n'a pas existé dans le keyword table. Tu prends counter, tu mets dans le symbol table. Tu vas te mettre l'île, il commence à valer 60, il y a une variable. Deuxième, arrow. Tu ne pas mettre dans le symbol table parce que arrow déjà existé ici. L'autre, il y a 0. 0 n'a pas existé dans le keyword table. Donc, vous devez mettre 0 dans la table. Voilà, il y a une valeur 61. Et après ça, input, tu vas pouvoir ajouter le symbole table parce que input déjà existait le keyword table. Password, il y a une variable, tu ajoutes password là et il y a une 70, il y a une variable. Après ça, tu continues comme ça, tu vas mot, soit il existait dans ton keyword table, soit tu ajoutes dans ton symbole table et ça va valer à continuer. Ça répond ça de rien. Tu n'es pas d'accord, tu n'es pas à dire moi, tu n'es pas à checker et tu n'es pas capable de ça. Maintenant, une fois que tu as fini rempli ton symbole table, pour tout bon variable qui tient là, et te design à ton keyword table, te design à ton symbol table, maintenant te fais ton output. Bon, counter, ce valeur te déjà connaît 60, ton output est 60. Bon, après counter qui tient là, arrow. Arrow te design à ton keyword table, ce valeur 0,1. Bon, ton output est comme ça.
ok, 0n. Bon, là, vous pensez tous les cas continuer, suivre qui est là-dedans, il y a un peu de tout ce qui est là, il faut gagner réponse. Bon, si nous avons une réponse, il y a déjà de nous. Voilà, là, là. Le gars check cette réponse, si ce n'est pas gagné, il y a un diamant, et je suis capable d'être tout avec ça. Mais vous pensez de tout capable de faire, moi. Ok, maintenant, nous continuons à notre question. Malheureusement, il est fini. Attends, non, agrégé de papier là, pas même pas de copie et tout. C'est juin 2019. Une minute en jeu, dans le post, papers, juin 2019. Exemple, paper, juin 2019. Papier, papier 31, question. Quel numéro tu as dit ça? Ah, il y a. Bon, question 4, ça même fini, ça même fini. Ah, d'accord, ça porte là, mon corps, mon panne guetté. Bon, là, nous sommes capables de guetter sa partie là. Ok. Voilà. Partie C, l'identité de l'assembly language. C'est même avec ça LDD. LDD veut dire direct addressing. Veut dire il prend valeur là, il met dans mémoire de sa place là. Add store. Une date de code. Et ça c'est compilation. Et rewrite the code. Bon, tu as besoin de comprendre ici qui peut arriver plutôt que de réécrire d'une façon plus simple. D'accord? Et rewrite the code et plutôt optimise. Trois points pour ça. Et il est là, raison qui fait optimise. Bon, si tu es bien là, essaye de comprendre qui peut arriver. Bon, tu prends X. Fais comme on dit, c'est un calcul et tu donnes un poids long là. Tu prends X, tu mets là-dedans, tu prends Y, tu continues à mettre un poids long là, tu ajoutes. Et tu tiens le résultat là, tu gardes une place. Correct, tu es là. Tu prends une load 236 d'un poids long, il ajoute 237 d'un poids long, résultat qui gagne, il finit à ajouter. Il garde ça dans la mémoire de 300-236. Après, il prend 238, il met d'un poids long. Après, il ajoute 236 d'un poids long et résultat là, il a les stores dans 238 d'un mémoire. Mais dire comme s'il prend X, ce valet à 236, il ajoute lui avec Y, ce valet à 237, et il garde résultat là, X là, dans mémoire 236. Right? Bon, rewrite the equivalent code, il réécrit d'une façon plus simple. Et nous qui t'aime tout, c'est 31. Voilà. Question numéro. Nous, mon pote a personné qui a été. Allez, je mon pote a personné qui a été demandé qui vient. Voilà. Bon, on va nous réécrire d'une façon plus simple. Voilà. Car check ça. Si je n'ai pas trop compris, je vais vous dire, mais avant, je vais vérifier. Voilà, je vais mettre question là-bas. Je réécris d'une façon. Bon, qui dit fait, il prend 236 limites dans mémoire, d'accumulateur register. Après, il ajoute 237 en lit. Et il garde le résultat là d'une plaque qui appelle 236. Après, il ajoute 238 au résultat là et l'histoire de 238. Bon, nous presque arrivé à la fin de sa classe là. Il y a un dernier bout qui fait nous optimise. Nous optimise pour nous servir moins d'instructions, pour nous servir moins l'espace de mémoire et fewer instructions pour run faster. D'accord? Bon, nous arrivons à la fin. Nous presque 5 heures là. Ok, pour pas fatiguer et nous allons aller depuis le bonheur et suivre la classe là. Je stoppe ça. Recording là et je target.